Allez, salut à tous les amis, c'est Warlock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 39e épisode de notre Let's Play commenté sur Assassin's Creed Valhalla. Rappelez-vous la dernière fois, on est arrivé au Vinland, on avait fait quand même un peu de off. Moi j'ai continué dans mon coin, j'avais pas tout fait en vidéo. Du coup j'ai fait toutes les quêtes, j'ai tout récupéré, tout ça et tout. Et là on se trouve, parce que j'ai vu l'épisode de Captain, on se retrouve pas loin de Gorm, sans forcément le chercher. Du coup, on va aller s'occuper de Gorm, je sais pas combien de temps ça va nous prendre. Donc on va y aller, on va buter tout le monde et on va buter le Gorm. Et après, je pense que ça sera fini pour la saga du Vinland. Allez, c'est parti! YOLO! Non, j'ai dit YOLO. Voilà, merci. Alors, petite info des familles, parce que cet épisode arrivera vendredi. Forcément, parce que c'est diffusé le mardi et le jeudi. Vous n'avez pas eu d'Assassin's Creed Odyssey depuis la semaine dernière. Pourquoi? Et bien, tout simplement parce que Assassin's Creed Odyssey, je suis bloqué. Il y a un bug sur le DLC, ce qui fait que je ne peux pas le continuer. Donc du coup j'ai remplacé ça par un autre jeu, vous allez voir, un jeu bordélique. Et Odyssey, bah, soit je le laisse tomber, soit on reprendra un jour, je sais pas, on verra. Donc voilà, voilà, je pense que je vais le laisser tomber parce que ça fait trop longtemps que je suis dessus. Donc voilà, la fin ça sera l'épisode avec Hecate. C'est totalement logique, franchement c'est génial. Donc voilà, nouveau jeu, et après, bah, après ce nouveau jeu qui est quand même assez court, bah, on en fera un autre. On reviendra pas sur Odyssey je pense. Donc voilà pour la petite info du futur. Oh, il y a une luciole. Merci, merci, monsieur. Alors, le Gorm. On va passer par là. Voilà. L'accès à cet endroit est interdit. Alors là, il va falloir défoncer le peuple. Ah, faites-vous défoncer la gueule. Vous m'avez pas vu, c'est pas vrai. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce camp ? Mais vous êtes pas nombreux en fait, vous êtes tous regroupés là-bas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Là vous avez tous décidé de vous regrouper là-bas, mais vous n'êtes pas nombreux. Et lui il est planqué sous une double tente, tu veux des piles? Il a tout prévu, il a fait Inception de la tente. Alors, comment est-ce que je peux défoncer celui-là? Bon, on va repasser par là-bas. Hop, voilà. On va aller récupérer la clé quand même, parce qu'il y a quand même une clé à récupérer, étant donné que j'ai buté l'autre. YOLO! Ah, donne-moi ta clé. Toi, là-bas, si je suis logique, tu devrais pas me voir. Ou peut-être un petit peu. Mais très vite fait, et encore, je suis même pas sûr. Non, tu me fais dos. Bah voilà, il est là, Gorm. On l'entend. Ouais, il est là-bas. Allez hop, ça dégage. On va aller là-bas. Le moment venu, ce qui fut sera de nouveau. Qu'est-ce qu'elle sort d'où cette voix là? Qui est la voix d'inconnue de femme là? Je comprends pas. Tu veux des piles? Ouais, lui il est là-bas, là-bas il y a un 5 piles. Ah! C'est toi là-bas qui m'as vu? T'as une bonne vue, hein? Gorm, tu as trouvé Olaf le malchanceux? Oui, je l'ai enfermé pour le vol. Et à mon retour, je ferai en sorte que les bêtes de la forêt lui dévorent la viande jusqu'à l'os. Car personne. Ok, lui il s'est assis là-bas, c'est cool. Je vais pas les buter de suite.
se passe-t-il? Comment le Jarl a brisé le crâne de ce Skrilling d'un seul coup? La prochaine fois que le Jarl Gorm aura besoin de quelque chose, la tribu a intérêt à obéir vite. Le but de Kjotgrason est le pouvoir. Mais tu as vu les Jarl de Vreja? On ne peut pas manquer. Il a fallu que tu bouges, hein? Mais bien sûr. Ah, dégage. Je vais essayer d'abord de nettoyer le camp hein, avant de m'occuper de Gorm. Même si je sais que Gorm, en réalité, si on l'assassine, c'est fini, mais bon. Ouais, t'as raison, viens par ici. Allez hop, ça dégage. Qu'est-ce qu'il est parti lui là-bas là? Eh ben alors, tu reviens pas? Ah, lui il est mort. Ils sont trop loin pour que je puisse les buter. Comment je peux faire ça? C'est bizarre parce que gardons les yeux bien ouverts et c'est un homme qui arrive. Alors que c'est une voix de femme. Ah, toi aussi tu viens? Allez, venez. Voilà, il y a un tas de cadavres derrière la tente. Bon, du coup, ces gens-là, ils sont morts. C'est cool. Comment est-ce que je peux rejoindre un endroit sans me faire défoncer, sans me faire repérer? Pourquoi le vol, il a fait... Pourquoi le corps, il a rebondi quand j'ai tiré la flèche? Il a fait un vol plané, il est passé au-dessus de la tente. Il faut qu'on m'explique là. Je demande une explication. J'ai tiré une flèche, le corps il a rebondi comme si j'avais lancé un ballon de basket. Ah, lui aussi il est mort. Lui là-bas il est bugué. Mais elle est grande la zone, non? Ouais, elle est un peu grande quand même. Voilà. Voilà. On est bon. Ah mais avec l'arbre au milieu, je vois rien. On fait un petit nettoyage de printemps. Tu les piles? Ah là-bas, il y en a un tout seul. Hop là, il fallait me faire griller. Allez hop, ça dégage. Voilà, là on est bon.
Allez, viens ici, monsieur. Allez, hop, ça dégage. On va continuer à avancer. Parce que là-bas aussi, on a du monde. On a la même main en haut là-bas. Oh, on a la deux même en haut. Ok, ok. Ah, lui il est planqué. Pardon pour vos oreilles, j'ai tapé le micro. Alors, on va quand même essayer d'activer un peu la cadence. Voilà, ça c'est bon. Ah, ils sont planqués. Ils sont planqués. Ah, ça, ça me rappelle Origins. Les assassinats comme ça. Allez hop. Ah, lui c'est possible qu'il vienne ici. On va attendre un peu. T'as pas l'air de venir, t'as l'air un peu perdu dans ta vie, non? C'est le genre de gars que je peux pas assassiner, ça. Voilà. Normalement ici c'est bon, j'ai fait le ménage entièrement. Il me reste juste lui là-bas là. Après il faut que je retourne de l'autre côté. Voilà. J'adore comme le jeu il a censuré l'assassinat. Alors. Après je peux aussi mais... Ah je vais peut-être monter là-bas. Hop. Je sais pas si j'ai possibilité de monter sur la barrière en haut. Oui. Ah bah voilà, de là on va faire un petit carton. On va changer l'arc. Ah oui non mais c'est vrai que j'ai que celui-là. Je me suis cru en Angleterre moi. Alors. Ah genre tu m'as vu? C'est impossible que tu m'aies vu.
Eh monsieur, il faut mourir à un moment donné. Hein. Voilà. Qui m'a vu? Ma foi, c'est genre littéralement impossible de me voir en fait là, mais bon. Moi le jeu il a bugué. Mais genre le jeu quoi. Voilà, le jeu, à un moment donné, il faudra arrêter de me prendre pour un con. Hein. Ah, il me reste que deux. Il me reste Gorm et il me reste... Ah non, il me reste trois. Il me reste deux gardes et Gorm. J'adore comme le gars, il vient en mode, vas-y, bute-moi. Allez hop, vous êtes tous morts. Et toi aussi. Ben voilà. Chevaux ailés. Où sont les choisisseuses parmi les morts? Toi, mon ennemi de sang. Le Niflheim, l'enfer des brumes et des froids. C'est là que les morts sans foi viennent mourir de nouveau. C'est là que les spectres se fondent dans le brouillard et sombrent dans l'oubli. Ton intervention nous a tous condamnés, corbeaux de bataille. Encore des mensonges.
Dis la vérité pour une fois. Qu'est venu faire l'ordre ici? Libérer une déesse. Une créature de pouvoir et de lumière. Enfouie ici jadis par les Jotnar. Quelle tristesse, Gorm. Tu ne la rencontreras pas. Bon ben voilà, on a buté Gorm. L'œil de cristal de Gorm. Il en émane une sensation étrange, surnaturelle. Que cherchait Gorm? Quelque chose dans les profondeurs de cette grotte. Ouais ben je vais aller voir. Hein. Je vais aller voir la grotte où il y a la... voir un peu ce qu'il y a. Je vais récupérer le coffre aussi également, parce que j'ai une clé à récupérer. Mais vous êtes tous morts, vous êtes pathétiques les gars. Alors la dernière clé elle était où? Elle est là-bas. Voilà, on va aller récupérer le coffre. Et on va aller dans la grotte. Ah non, il y a encore une garde là-bas, je l'ai vu. Salut, je suis la justice. Voilà. Ah mais encore plein de gardes même, bon c'est pas grave. Non c'est bizarre, je les ai butés, je les ai tous butés mais bon. Et dehors. Ils sont tous revenus en fait. Ah ouais, ils sont tous revenus. Alors, cette grotte, elle est où? Il me semble qu'elle est là-bas. Allez, hop. Mais oui, il m'avait vu, on s'est vu, on s'est tous vu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs font espoir. Ceci n'est pas pour moi. Je dois retourner voir Olaf. Bon ben voilà. Il mérite de savoir ce qui s'est passé. Allez, on va retourner. Je vais mettre les points de compétence quand même, vite fait. On va retourner voir Olaf. Je crois qu'il appelle Olaf, je t'assure. Et puis on va se casser d'ici. Donc voilà, on a fini la saga du Vinland, c'est ce que j'avais dit, voilà, on est quasiment à la fin de l'épisode. Donc on va essayer de faire vite. Est-ce qu'on peut se TP ou... Oui, on va se TP. Hein. Le TP va vite dans, dans cette région. On va au minimum retourner du côté de Ravenstorp. Si on peut. Voilà, ça va vite quand même. Ah, beaucoup plus vite qu'en Angleterre d'ailleurs. Alors, mon cher Olaf. De te cacher, Olaf. Gorm est mort. Gorm? Mort? C'est toi qui l'as tué? Il a payé de son sang une dette d'honneur. Je n'en dirai pas plus. Retourne auprès de ta sœur. Oui, oui.
Mais avant, je vais me joindre aux villageois, autour du feu. Ils racontent des histoires et j'aime les écouter. Même si je ne comprends pas. Des histoires ? Ont-ils eux aussi des sagas ? Oui, oui, ils ont aussi des récits. Viens écouter. Allez. Zok, rarondu de wasagohrori ne yotzi zizu. Waharu, hau, toyedene, zinuero diskara gete, junkwiro taguani. Dehni zaruki totni takwe. Yatehi ganare ziosumwaya. Danu akwegu, gasumwan hunzi. Yotzi zizu, yagode denegwa the wagu. Danu rarondu de. Yasutne hirade. Zokki, osumagu, ya untke doda, ahyarek, dogatka negu. Tudayawasi, rarondo de yasagorege. Osumagu, ya eantat ne, ne yotzi zizu. Zi wa agoyantat haje, wa eanahadu, zi nahoda wa egwen. Niat de gahderege, ya ehowe, zi ya eantat ne, zi de jutsu wagaras. Je ne comprends pas. Ah, vous voulez que je raconte une histoire? D'accord, laissez-moi réfléchir. Voici une histoire de trahison, de malveillance égoïste, et de dieux qui agissent en enfant gâté. De tous nos dieux, Odin est le plus vénéré. Il est le père de toutes choses, le Très-Haut, le roi sage. Mais malgré toutes ses gloires, il est aussi le plus insaisissable. Égoïste, solitaire, entêté, cruel. Il y a très longtemps, le fils d'Odin, Balder, a connu une mort soudaine due à son seul point faible, une plante. Et cette plante, c'est le gui. Croyant que sa mort était un accident, Odin envoya un message à Hel, la Jotun, lui demandant de rendre la vie à son enfant. Hel accepta, mais à une seule condition, que chacune des créatures vivantes des neuf mondes verse une larme d'amour pour Odin. Odin fit alors porter sa parole aux confins des mondes et demanda à tous de pleurer son fils bien-aimé. Tous le firent, sauf un. Un Jotun, du nom de Tok, refusa de pleurer pour Odin. Que Hel garde ce qu'elle a reçu, dit Tok avec méchanceté. Il en fut alors ainsi. Balder disparut à jamais. Envoyé en mer sur un navire funéraire, inhumé parmi les arbres et les rochers de Midgard. Mais ce qu'ignorait Odin, c'est que Tok n'était autre que Loki le Roublard, déguisé, un dieu qu'il considérait comme un ami. Pis encore, c'est Loki lui-même qui avait mené Balder à la mort, usant d'un brin de gui. Toutes ses feintes étaient bien l'œuvre du Roublard. Certains disent que cette cruauté était la nature de Loki. D'autres disent que Loki voulait se venger d'Odin pour ce qu'il avait fait à ses enfants. Mais il y a un troisième point de vue. Tous ces actes bons et cruels furent tissés bien longtemps auparavant, dans la trame même de leur vie. Ainsi, nous ne serions pas les auteurs de notre destinée, mais bien de simples lecteurs. Et nous,
devons nous opposer à cette vision des choses, car elle est profondément néfaste. Gorm a apporté cette pierre depuis l'autre côté de la voie des baleines, dans un but étrange. Sa place, je l'ignore pourquoi, semble être ici. Prenez-la, et gardez-la. Peut-être un jour, découvrirez-vous son usage. Merci. À vous deux. Pour tout ce que vous avez fait. Et voilà. Et bien on va s'arrêter ici pour cet épisode qui aura duré 32 minutes. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas vous savez quoi faire. Moi je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite d'Assassin's Creed Valhalla. Logiquement on retourne à Ravenstorp et on continue les quêtes dans la logique des niveaux recommandés. Donc voilà. D'ici là prenez soin de vous, c'était Warlocks. Et salut.